Bonjour les enfants, bonjour les parents, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Je Communique TV sur YouTube avec vous, monsieur Youssef Dalel, enseignant de français. Alors, cette fois, c'est la communication pour les enfants, c'est la communication pour la première année primaire. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, mes chers enfants, on va continuer notre séance de communication. Regardons, s'il vous plaît, allons-y, lisons ensemble ma famille. C'est la suite de la séance précédente. Aujourd'hui, on va parler de sa famille. Alors, allons-y, on va découvrir ensemble. Tout d'abord, je vous demande de bien observer les marches. Mes chers enfants, allons-y. Je pose des questions. Alors, première question, quels sont les personnages représentés sur la première image? Quels sont les personnages ici? Qui est-ce? Et qui est-ce? Ces deux personnages. Où sont-ils? Que font-ils? De quel moment de la journée s'agit-il? Est-ce que c'est le matin? C'est le soir? De quel moment de la journée s'agit-il? Et dernière question, qu'est-ce qu'il indique? Qu'est-ce qu'il indique que c'est le soir ou qu'est-ce qu'il indique que c'est le matin? Alors, je vous laisse réfléchir un moment. Après, on va répondre à ces questions. J'espère, mes chers enfants, que vous avez bien répondu aux questions. Allons-y, on va faire une petite correction. Pour la première question, quels sont les personnages représentés sur la première image? Ici, qui est-ce? C'est une maman. Qui est-ce? C'est un enfant. C'est son fils. C'est son fils. Une maman et son fils. Deuxième question. Où sont-ils? Alors, je vois. Ils sont dans un salon. Ils sont dans le salon de la maison. Ils sont dans le salon de la maison. Il y a une photo, un abat-jour, un tapis, des matelas. Fenêtre, voilà. C'est le salon de la maison. C'est le salon de la maison. Voilà. Alors, que fait la maman? La maman aide son fils à préparer son cartable. La maman aide son fils à préparer son cartable. Le fils ici ramasse ses affaires scolaires dans son cartable. Alors, on continue. À quel moment de la journée s'agit-il? Alors, il y a l'image de la lune. C'est le soir. C'est le soir. Maintenant, mes chers enfants, je vous propose la deuxième image. Je vous laisse observer et écouter les questions. La première question, quels sont les personnages représentés sur la deuxième image? Où sont-ils? C'est la deuxième question. Où sont-ils? La suite. Que fait papa? Que fait papa? Et à la fin, que font Zineb et sa sœur? Voilà, première question. Quels sont les personnages représentés sur la deuxième image cette fois? Où sont-ils? Que fait papa? Et que fait Zineb et sa sœur? Que font-elles? Je vous laisse réfléchir un moment. Après, on va faire la correction. Observez bien et essayez de répondre. J'espère que vous avez bien répondu aux questions. Maintenant, on va faire la correction. Écoutez bien. La première question, quels sont les personnages représenté sur la deuxième image, je vois ici le papa est assis sur le fauteuil et devant lui deux petites filles, Zineb et sa sœur. Alors où sont-ils? Ils sont dans le salon de la maison. Ils sont dans le salon de la maison. Alors que fait papa? Papa raconte une histoire aux petites filles.
Papa raconte une histoire. Oh, petite fille. Les deux filles ici écoutent l'histoire. Les deux petites filles écoutent le papa qui lit une histoire. Maintenant, mes chers enfants, je vous propose un texte. Il faut bien écouter pour bien comprendre. C'est Zineb qui parle. Elle dit, c'est le soir, ma famille est dans le salon, maman aide mon frère Youssef à préparer son cartable, papa nous lit une histoire, c'est une belle soirée. Deuxième fois maintenant. Zineb parle, il dit, c'est le soir, ma famille est dans le salon, maman aide mon frère Youssef à préparer son cartable, papa nous lit une histoire, c'est une belle soirée. Maintenant, mettez une pause. Lisez doucement ce texte. Après, je répondrai aux questions. J'espère que vous avez bien lu ce texte. Maintenant, les questions. Première question ici, c'est tout à fait facile. Qui parle dans ce texte? Quelle est la personne qui parle dans ce texte? Voilà. Que fait Youssef? Que fait Youssef? Que fait la maman? Que fait la maman? Que fait le papa? Que fait-il? Que font Zineb et Sana? Que font Zineb et Sana? Voilà. Première question. Qui parle dans ce texte? C'est la famille de qui? Que fait Youssef? Que fait la maman? Que fait le papa? Que font les deux filles, Zineb et sa sœur Sana? Alors, je vous laisse réfléchir un peu en lisant bien sûr le texte et aussi en répondant aux questions de compréhension. Après, je vais faire la correction. D'accord? J'espère que vous avez bien travaillé. Alors maintenant, la correction. Pour la première question, qui parle? C'est bien sûr Zineb. C'est Zineb qui parle dans ce texte. C'est la famille de Zineb. Que fait Youssef, le frère de Zineb? Youssef prépare son cartable. Youssef prépare son cartable. Que fait la maman? La maman aide Youssef à préparer son cartable. Que fait le papa? Le papa lit une histoire à ses deux petites filles. Que font Zineb et Sena? Zineb et Sena écoutent une histoire. Zineb et Sena écoutent une histoire. Alors, première réponse, c'est Zineb. Youssef prépare son cartable. La maman aide Youssef. Papa lit une histoire à ses enfants et Zineb et sa sœur Sana écoutent une histoire. Bon, je produis. Je propose ici des images et vous me dites que fait chacun des membres de la famille. Alors maintenant, je produis. Je propose des images et vous me dites tout simplement ce qu'il fait chaque personne. Ce qu'il fait chaque personne. Ce qu'il fait chaque personne. Maintenant, je produis. Maintenant, je propose une activité. Je produis. Et maintenant, je propose une activité de communication. Il s'agit de je produis. Je propose quatre images et chaque image, vous me dites que fait chaque personne. Par exemple, la première image, c'est Youssef. C'est le frère de Zineb. Que fait-il? Que fait-il? Allez-y, répondez. Très bien. Très bien. Youssef fait ses devoirs. Youssef fait ses devoirs. Très bien. Ses devoirs scolaires. Maintenant, la deuxième image.
cheval. Alors, que fait la maman? Que fait la maman? Que fait-elle? Oui, la maman, très bien, la maman aide son fils. La maman aide son fils à faire ses devoirs. La maman aide son fils à faire ses devoirs. Alors, troisième image. Alors, que fait le papa ici? Oui, le papa va avec son fils Youssef à son école. Le papa va avec son fils Youssef à l'école. Maintenant, la dernière image ici. J'espère que vous allez réussir à répondre. Alors, que fait la fille? Que fait la fille ici? Qu'est-ce qu'elle fait? Que fait-elle? Oui, elle prépare, très bien, elle prépare son cartable. Elle ramasse ses affaires, voilà. Elle prépare son cartable. Très bien. Très bien, mes enfants, on vient de terminer notre thème, ma famille. On a bien compris. La famille, ça veut dire parler de sa famille et présenter les membres de sa famille. Alors, la prochaine fois, on va voir un nouveau thème. Il s'agit de la santé et l'hygiène. La santé et l'hygiène. Au revoir, mes enfants. C'est avec vous, Monsieur Sevdalel, enseignant de français.